Bonjour, on est très heureux de vous savoir l'écoute de notre émission Point de Vue. Les journalistes posaient un jour à Einstein la question suivante. Croyez-vous, monsieur Einstein, à l'existence de Dieu Et le physicien de répondre, précisez-moi ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai, si j'y crois. La réponse du physicien, de l'homme de science est pertinente. Que disons-nous lorsque nous disons Dieu. Quel est le contenu de ce mot Dans une de nos précédentes émissions, nous avons rappelé cette déclaration du Figaro tout juste après les journées mondiales de la jeunesse qui furent des journées de succès. Cette déclaration était de la plume de François-Olivier Gisberg. L'homme a besoin de Dieu. Il lui faut sortir de lui-même pour se trouver. Il rêve du ciel, du salut et de l'au-delà. Rien ne peut résister au déferlement du surnaturel. On ne tuera jamais en nous l'intuition du divin. Comment s'explique chez l'homme son besoin existentiel de Dieu Profondément attaché à son besoin de Dieu se trouve le besoin de l'infiniment grand, le besoin de quelque chose qui le dépasse, le besoin d'un être chez qui s'incarnent ses puissances, ses pouvoirs qui le dépassent, qui l'envahissent. Il y a chez l'homme un besoin de démesure, d'infini. L'écrivain russe Dovtoevski, dans son livre Les possédés, explique ainsi la condition essentielle de l'existence humaine et que l'homme doit toujours être capable de se prosterner devant quelque chose d'infiniment grand si les hommes sont dépourvus de l'infiniment grand ils ne pourront continuer à vivre ils mourront de désespoir l'infiniment l'infini et l'éternel sont essentiels pour l'homme exactement comme la petite planète sur laquelle il demeure Selon le philosophe, l'écrivain russe, l'homme a besoin de se prosterner devant quelque chose, quelque chose d'infiniment grand. Nous dirons donc qu'attaché à son besoin, infiniment grand, se trouve son besoin d'adoration. Il a besoin de se fabriquer des substituts de Dieu. C'est une condition fondamentale de l'existence. Ne pouvons pas appréhender la réalité de Dieu. Il se fait des images de Dieu. Son imagination est ici extrêmement fertile. Nous n'avons qu'à considérer certaines religions où nous avons des milliers et des milliers de représentations de Dieu. Ce sont tout simplement des idoles. Et Jean Calvin, le grand réformateur, disait que le cœur humain est une fabrique d'idoles. C'est une industrie, une industrie spécialisée de la fabrication des idoles. Simone Veil va dans le même sens lorsqu'elle dit que l'individu a le choix entre Dieu et l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre possibilité. La faculté d'adorer est en nous. Elle est dirigée soit quelque part dans ce monde, soit dans un autre. Existe-t-il encore dans notre monde des idoles Notre civilisation est marquée par le culte des vedettes. Vedettes de l'écran, du petit écran, du grand écran, vedettes vedette des stades, vedettes des comptes bancaires, de l'argent. Quand les journalistes parlent de ces vedettes, ils emploient les expressions telles que idole, dieu, monstre sacré. Et lorsqu'ils parlent de l'espace où ces vedettes s'expriment, ils emploient très souvent l'expression temple. Je pense actuellement à ce stade d'Angleterre appelé communément le temple de Wembley. Le besoin de s'identifier, le besoin de se représenter des dieux. Les chroniqueurs ont calculé que Michael Jordan, après sa retraite, de par ses les, cachets publicitaires, avait gagné plus d'argent que tous les présidents des États-Unis. Il avait gagné même plus avec ses chaussures fabriquées par des Malaisiens, plus que tous ces Malaisiens à la fois. Une société qui paye un homme autant est sans aucun doute une société déséquilibrée quelque part. L'homme se fait des dieux qu'ils placent au-delà de tous les au-delà. Vous trouvez cela dans bien d'autres cas, je pense, à ces dictateurs qui oppriment leur peuple et qui ont dans les banques occidentales des sommes folles, et qui continuent malgré tout à recevoir de la part de leurs citoyens ou d'une partie du monde un certain respect. Ils sont adulés. Ils sont portés, ils sont transportés malgré tout. Nous avons des politiciens, nous avons aussi des religieux qui sont littéralement adorés, pour lesquels on serait prêt même à se sacrifier. On porte sur soi leurs souvenirs et leurs reliques. Il y a bien donc chez l'homme un désir fondamental d'avoir des représentations de Dieu, des dieux qui soient... À sa portée. Aujourd'hui, quelle image recherchons-nous de Dieu Je crois qu'en premier lieu, nous pouvons dire que l'homme a besoin d'un Dieu visible. Vous avez sans aucun doute vu le film Les Dix Commandements de Cécile B. 2000, et si toutefois vous l'avez vu, vous vous souvenez de cette. Description de ce qui s'est passé au pied de la montagne du, du Sinaï. Cette histoire se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Moïse est sur la montagne et le peuple est, au bas, est dans la plaine. Et il demande à Aaron, qui est un petit peu le président par intérim à ce moment-là, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu. Fabrique-nous un Dieu. Mais un Dieu qui marche devant nous. Entre vous, un Dieu visible, un Dieu à notre portée. Et lorsque nous étudions l'histoire en profondeur, nous constatons que ce Dieu, il le transporte du nord au sud, de l'est à l'ouest. Lorsqu'ils sont fatigués, il le dépose. Donc ce Dieu est en mouvement suivant l'humeur du peuple, suivant les circonstances. Et je crois que là, nous découvrons fondamentalement ce qui existe au fond de l'être humain par rapport à à ses représentations de Dieu. Il veut un Dieu qu'il soit capable de faire marcher. Un Dieu suivant ses aspirations, suivant ses conceptions nationales, familiales ou même internationales. Un Dieu à sa dimension. Eh bien, la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Je voudrais, comme d'habitude, vous présenter quelques versets clé sur la question. Nous allons prendre un premier verset qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Ce chapitre 20 de l'Exode, comme vous le savez, est un chapitre où nous avons les dix commandements et le deuxième commandement nous dit tout simplement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. La Bible, Dieu, interdit toute forme d'idolâtrie. Il n'est pas question, bien sûr, ici de dire non à l'art, à la sculpture, à la peinture, à la photographie. Il est question de représentation dans le but de l'adoration. Nous avons un autre texte qui nous vient cette fois-ci de l'apôtre Paul dans cet épître romain que nous avons eu l'occasion de lire. Et justement, il stigmatise ces païens qui n'ont pas eu la loi, bien sûr, comme le peuple juif, mais qui ont eu la création comme source de révélation naturelle. Et Paul dit qu'ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme. Corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quelqu'un a dit avec raison que l'homme a créé, que Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme le lui a bien rendu. Et il en a fait même des images de Dieu aussi grotesques, aussi grossières que ses représentations les plus basses. Et l'apôtre Paul parle ici de Dieu ayant la forme, la posture de quadrupède et de reptiles. C'est une déviation, c'est une aberration. Lorsque l'apôtre Paul se trouve pour la première fois à Athènes, il marche dans les rues d'Athènes et il découvre que les Athéniens ont des dieux partout. En effet, cette ville est remplie de statues de dieux. Et il trouve même une statue qui porte l'insigne suivant à un dieu inconnu. Arrivé à l'aréopage, qui est un lieu de discussion philosophique et religieux, l'apôtre Paul ne peut s'empêcher de commencer son discours en félicitant les Athéniens. Il dit, je vous trouve à tout point de vue religieux. L'idolâtrie, malgré tout, est une expression de religiosité, une expression de recherche de spiritualité. Donc, le contenu du besoin de Dieu, de l'idolâtrie comme expression de ce besoin, et nous l'avons vu, la recherche d'un Dieu visible, la recherche d'un Dieu à notre image. Et je pense à un texte du livre de Job, un texte du livre de Job, au chapitre 10 et au verset 4 à 5, où il pose la question, as-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un mortel Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel Donc, besoin d'un Dieu à notre portée. Et c'est là l'originalité du texte biblique, du christianisme. Le Christ nous est présenté comme l'empreinte même de Dieu, comme la révélation de Dieu. En Jésus-Christ, l'homme rencontre un Dieu qui soit non pas seulement visible, mais un Dieu qui soit à son image. La parole a été faite chair, nous dit Saint Jean. En d'autres mots, la parole a vécu parmi nous, la parole a marché parmi nous, et durant le temps où il était sur terre, Jésus était l'homme Dieu. Il était cette face de Dieu. L'homme pouvait appréhender, pouvait contempler, avec laquelle l'homme pouvait entrer en relation. Dans un texte très profond, celui de Paul au chapitre 2 et au verset 5 à 8 des Philippiens, cette incarnation du Christ nous est présentée. Ayant-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. De ce fait, nous n'avons pas besoin, comme Moïse, de dire à Dieu, fais-moi voir ta face. Voilà donc le beau message de la Bible. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et comme il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. En attendant de vous retrouver à l'écoute à notre prochaine émission, nous vous disons au revoir et à bientôt.